Comment tu t'appelles? Odeline. Odeline. Odeline Fion, mais Cédric, dans l'anglais à l'école, il m'appelle Trou du cul. Les enfants sont cruels. Comment t'appelles? Où habites-tu, Trou du cul? Mon papa, il a dit de pas le dire. Et pourquoi? Parce que... il y a des vilains messieurs qui veulent lui reprendre sa voiture neuve. Ah. Tu sais comment on les appelle, ces vilains messieurs? Non. On les appelle des huissiers. Non, des huissiers, c'est ceux qui veulent prendre les meubles que papa a mis chez tonton Michel. C'est pas pareil. Où il est, ton papa? Là-bas. Montre-le-moi. Ah, je le vois. C'est le gros monsieur avec la caméra. Bonjour, monsieur. Et la dame à côté, c'est ta maman? Non, c'est Monique. Elle dort avec nous dans la chambre de papa et elle met pas tellement de pyjama. Elle est gentille, Monique? Oui, mais des fois, elle me met toute nue dans un placard. J'aime pas tellement. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa? Il nettoie le caca des morts à l'hôpital Tessier. Non, non, ne riez pas. Il n'y a pas de saut métier, même s'il y a des métiers avec un seau dans lequel on met la hum-hum. Ah, qu'est-ce que tu es jolie, Odeline. C'est Monique qui m'a coupé les cheveux. Très bien, Monique, très bien. Tu as une très très jolie robe. Qui est-ce qui te l'a donnée? On me l'a pas donnée, on l'a achetée. Pardon? Elle fait la cuisine, Monique? Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger? De l'huile. Est-ce que tu sais, Odeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande? Vider les truites. Vider les truites, c'est pas banal. Comme ça, je pourrais en manger plein. Avec des frites? Non, avec de l'huile. Alors, les enfants sont formidables. Une école du fan, vous le savez, consacrée aux chanteurs morts. Est-ce que tu aimes bien les chanteurs morts? Oui. Qui tu aimes comme chanteur mort? Hervé Villard. Il n'est pas mort, Hervé Villard. Oui, il est mort. Les enfants sont formidables. Excuse-nous, Hervé. Non, Hervé Villard n'est pas mort, ma petite fille. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Capri, c'est fini. Non, Hervé Villard n'est pas mort. Tu vas nous chanter, comme on avait dit, Bambino de Dalida, qui, elle, est morte. Tu as vu son hommage à Jean-Pierre Foucault? Ça veut dire qu'elle est morte. Est-ce que tu as vu un hommage à Hervé Villard chez Jean-Pierre Foucault? Non. Non, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Alors, Pino, prêt? Tu es prêt, Odeline? Bambino. Capri, c'est fini. Non. Odeline. Odeline. Hervé Villard n'est pas mort, tu devais chanter Dalida. Ça mauvais dans la bouche. C'est bien insolent, Odeline. Alors on reprend. Pino, on reprend. Bambino. Capri, c'est fini. Odeline, on a dit Bambino. Tiens, tu l'as pas volé, celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, tu t'en mangeras dans la bouche. Monsieur, je n'ai pas touché votre fille. Et ce n'est pas un type qui nourrit sa fille dans un placard avec de l'huile qui va me donner une leçon et le public témoin m'en est présent ou le contraire. Oh, putain, enculé, il m'a recassé le nez. Oh,